Merci Jean d'avoir accepté cet entretien. Ben, merci de ton invitation, de votre invitation. Merci. Donc, dans le cadre de l'opération Atanor, qui est notre projet, on inaugure cet entretien avec toi. C'est un honneur auquel je suis sensible. Je rappelle, Jean-Robin, les œuvres que tu as écrites. Tout d'abord, voilà, pour les personnes qui n'auraient pas lu tous tes livres. Donc, René Guénon, témoin de la tradition en 1978, aux éditions rééditées à Robert Laffont en 1978. Tu me corriges C'est une coédition, Robert Laffont et Guy Trédaniel. Voilà, c'est ça. Hein, Robert Laffont pour la vente par correspondance et Guy Trédaniel pour la vente normale en librairie. Voilà. Et Les objets volants non identifiés ou la grande parodie aux éditions de la Ménie en 1979. Excuse-moi, les éditions de la Ménie qui ne sont autres que les éditions Guy Trédaniel. Hein, voilà. C'est le nom original. Réponse de Nostradamus à Monsieur de Fontbrune, donc édition de la Ménie, Guy Trédaniel, 1981. Reine le château, la colline envoûtée, en 1982, toujours chez Guy Trédaniel. Et puis René Guénon, La dernière chance de l'Occident, en 1983, aux éditions de la Ménie. Les sociétés secrètes au rendez-vous de l'Apocalypse, paru chez Guy Trédaniel en 1985. Thèbes, Temple et Dieu du Nil chez Robert Laffont en 1986. La véritable mission du comte de Saint-Germain chez Guy Trédaniel en 1986. 7. Le Dieu maudit aux éditions Guy Trédaniel en 1986. Hitler, l'élu du dragon aux éditions La Ménie en 1987. Opération Horte ou l'incroyable secret de Reine le Château, chez Guy Trédaniel en 1989. Le Royaume du Graal, introduction au mystère de la France, aux éditions Guy Trédaniel en 1992. Veilleur, où en est la nuit, introduction à l'Apocalypse, chez Guy Trédaniel en l'an 2000. Imperator, l'épopée de Julien Laposta, roman historique, paru aux éditions Guy Trédaniel en 2013. Et puis, l'objet de cet entretien, le dernier livre paru, H.P. Lovecraft, et le secret des adorateurs du serpent, chez Guy Trédaniel, donc tout frais, en 2017. En petite introduction, il y a deux événements déterminants dans ta vie qui va déterminer toute ton œuvre littéraire. La rencontre de l'œuvre de René Guénon dans ton adolescence. À la fin de ton adolescence, tout jeune homme, voilà. Et donc, car avant tu étais agnostique, donc ça c'est une œuvre qui va bouleverser ta vie. Et la deuxième rencontre qui va bouleverser ta vie, c'est la rencontre avec celui que tu dénommes dans tes romans, dans tes essais, Pierre, que tu vas rencontrer en 1987. Je le rencontre un petit peu avant, mais disons que les choses sérieuses commencent en 1987. Hein, approximativement, je le rencontre au milieu des années 80. Hein. Et la date fatidique, si je puis dire, le top départ de cette aventure, c'est 1987, effectivement. Et bah, tu as raison, l'œuvre de Guénon est une rencontre fondatrice pour moi. Ça m'a donné la grille de lecture qui m'a permis ensuite de suivre un fil conducteur, un fil directeur. Alors que bon, mon parcours n'a absolument rien d'original, hein. C'est même très très classique de nos jours. Je viens de nulle part, si je puis dire, enfin, c'est-à-dire d'un milieu totalement agnostique. Mais je me heurtais au mur du matérialisme pratique qui nous est involontairement imposé. Et je sentais que ce n'était pas le tout de la réalité, qu'il y avait quelque chose derrière, que ça ne pouvait pas se limiter à ça. Et c'est la rencontre avec l'œuvre de Guénon, justement, qui était le facteur déclenchant. Et je l'ai rencontré d'une façon, bon,
ça m'amuse toujours de rappeler ça. Puis je l'ai rencontré d'une façon apparemment fortuite, je dis apparemment fortuite puisque je crois absolument pas au hasard, mais je n'avais rien pour le rencontrer dans la bibliothèque paternelle en tout cas. Et c'était d'autant plus amusant qu'on n'a jamais trop su comment il était arrivé là, et personne ne les avait lus, hein, puisque c'était des exemplaires qui n'étaient pas coupés, hein, à l'époque. Et donc, bah, c'est moi qui ai été le premier lecteur de ces trois ou quatre livres de René Guénon. J'ai commencé par celui par lequel je n'aurais jamais dû commencer, c'est-à-dire par les états multiples de l'être. Parce qu'il y a deux grandes catégories dans l'œuvre de Guénon. Il y a la dénonciation du monde moderne, et puis il y a l'aspect purement métaphysique. Et pour quelqu'un, encore une fois, qui vient de nulle part, comme c'était mon cas, il vaut mieux commencer, a priori, c'est plus accessible, il vaut mieux commencer par la dénonciation du monde moderne. Et moi, bah, peut-être que j'avais une intuition, j'ai commencé par la pure métaphysique. Et j'ai eu raison, parce que dès les premières lignes, avant même que mon adhésion ait pu être entraînée par ce qu'on a appelé la rigueur du discours guénonien, immédiatement j'ai compris que c'était ça. Hein. Pour rire un peu, parce qu'il faut toujours pratiquer l'autodérision, il ne faut surtout pas se prendre au sérieux, je dirais que c'est une forme de réminiscence platonicienne. Quoi, voilà, hein. Je savais que c'était ça, et immédiatement ça a percuté. Bon, voilà. Donc tout est parti de là. Donc, de la façon la plus tranquille qui soit, je veux dire, ça m'est apparu comme une évidence absolue. Il suffisait simplement que je rencontre ce bouquin pour que la vérité apparaisse. Hein. Il n'y a rien eu qui ressemble à une commotion, à un choc, comme la conversion de Claudel derrière le fameux pilier de Notre-Dame de Paris. Hein. C'était tout naturel. Je veux dire, bon. Et puis, encore une fois, ça m'a donné cette grille de lecture qui m'a permis après de me retrouver un petit peu dans des aventures abracadabrantesques qui ont suivi, hein, et dont mon dernier bouquin sur Lovecraft est en quelque sorte l'apothéose, le couronnement, bouquin testamentaire, hein, qui récapitule tout mon parcours précédent. Voilà. Donc, là aussi, pour rester dans le registre un petit peu de la distance vis-à-vis de soi-même, de l'autodérision, etc., je précise bien que nonobstant cette grille de lecture guénonienne, hein, qui permet quand même de donner de la cohérence, de donner un substrat solide à ces pièces d'abord dispersées d'un puzzle qui se reconstituent progressivement. Hein. Cela étant dit, compte tenu que les informations les plus ébouriffantes que recèle ce livre viennent d'une source anonyme, semi-anonyme, comme on veut, hein, bon, mais que personne ne rencontrera, je veux dire, hein, c'est à prendre ou à laisser. Hein, voilà, c'est le jeu. Hein. Donc, il n'y a aucun, je veux dire, de ma part, il n'y a aucun problème à ce qu'on rejette tout ça. Hein. Je connais suffisamment l'état des mentalités actuelles pour ne me faire pas beaucoup d'illusions. Mais j'ai quand même l'espoir que, justement, grâce à Guénon, grâce à cette structure traditionnelle, au moins le minimum syndical, si j'ose m'exprimer ainsi, ce serait que ce bouquin éveille vraiment des curiosités, des interrogations. Hein, ça serait déjà beaucoup. Qu'on ne leur repousse pas d'un revers de main en disant bon, c'est l'œuvre d'un mytho, d'un parano, enfin tout ce que vous voulez. Hein, et que, encore une fois, que ça suscite des interrogations, ce serait déjà beaucoup. Voilà. Et ça va en susciter. Oui. Je pense aussi. Donc on est là pour ça, en fait. J'ai préparé des questions qui pour susciter l'intérêt, pour faire comprendre un peu la teneur de ce livre, sans aller jusqu'à dévoiler, évidemment, pour ne pas faire perdre au lecteur ce suspense incroyable. Donc voilà, je vais te soumettre un petit questionnaire. Donc je dis que d'emblée, tu rentres tout de suite dans le vif du sujet, dans le livre, en cassant le mythe de l'écrivain Lovecraft, qui était vu jusqu'ici comme un matérialiste, un vulgaire matérialiste, avec une imagination abondante, débordante. Mais dès le début de ce premier chapitre, la première assertion qui tombe, c'est ça concerne la magie des sciences des lettres. Et j'aurais voulu savoir si on pouvait supposer que toi-même,
tu aurais utilisé la même technique que Howard Philip Lovecraft en 1923, qui est à relier avec ce que Guénon a fait lui-même en 1933. Écoute, Émilie, tu me fais beaucoup d'honneur, mais moi je ne suis que l'âne porteur de reliques, si tu veux, et si tel a été le cas, ça a été à mon insu, totalement à mon insu. Hein. Non, je ne suis pas de ce calibre-là. Mais il est très vrai que l'analogie entre les revendications de Lovecraft et de Guénon, s'agissant de leur œuvre, hein, et du fait qu'il ne fallait pas déplacer une virgule, que tout avait une signification, justement, ça me paraît une évidence. Une évidence qui a aveuglé, apparemment, qui a aveuglé certains. Hein, et justement, tu fais bien de commencer par cette interrogation préambulaire, parce que le lecteur commence à adhérer ou pas, dès le début, parce que mon propos est de dire, non, Lovecraft n'est pas un auteur d'imagination, le matérialiste pur et dur qu'il a toujours revendiqué. Hein. À quoi, bien sûr, les gens sérieux, les gens qui ont scruté les œuvres, qui ont beaucoup de documents sur Lovecraft, opposeront, d'où je tire ça? Encore une fois, je suis peut-être présomptueux, mais je tire ça de l'œuvre même de Lovecraft, parce que je me suis efforcé de faire un parallélisme étroit, justement, hein, entre mon interprétation et puis la réponse que nous donne Lovecraft. Et à la fin des fins, j'en suis désolé, mais ça me paraît troublant. Donc on va dire, mais alors pourquoi dans ces conditions-là, si vraiment l'œuvre de Lovecraft est une œuvre codée, cryptée, et qu'il n'est absolument pas le matérialiste qu'il prétendait être? Hein, non pas un auteur d'imagination, mais si, pour le dire le plus simplement possible, si les grands anciens ont bien une réalité, hein, quelle qu'en soit la nature, et ne sont pas sortis tout armés du cerveau de Lovecraft, pourquoi à ce moment-là a-t-il passé sa vie à essayer de détromper les lecteurs crédules ou qui lui attribuaient justement, tout simplement, si j'ose dire, parce que comme bien des œuvres codées, cryptées, il ne serait pas le premier quand même à écrire une œuvre dont le sens ne serait pas le sens littéral, le sens impli, parce que l'heure n'était pas encore venue, tout simplement, et que maintenant, apparemment, elle l'est. Parce qu'il se trouve en plus, en dehors de ma modeste contribution, de mon hommage à Lovecraft, ce grand méconnu, il semble qu'à l'heure actuelle, beaucoup de gens, pour des raisons différentes, s'intéressent à Lovecraft. Il y a des rééditions, des traductions nouvelles. Enfin, il semble, je ne l'ai absolument pas fait exprès, je me contente de le constater, mais il semble que dans l'air, il y a quelque chose, voilà, autour de Lovecraft. Donc, s'il y a quelque chose de cette nature impalpable, hein, compte tenu des temps que nous vivons, qui sont des temps, à l'évidence, de rupture, de fracture, de fin de quelque chose et de commencement d'autre chose, Peut-être, encore une fois, suis-je présomptueux, mais à mes yeux, ça aurait tendance à valider mon interprétation, à savoir que l'œuvre était bien codée et qu'elle attendait son heure pour être décryptée. Hein. Alors oublions le décodeur, si j'ose dire. Et laissons parler Lovecraft, absolument. Et je me dois absolument d'ajouter que, là encore, restons très humbles. La fameuse source dont j'ai fait la connaissance au milieu des années 80 et qui est elle aussi à prendre ou à laisser, hein, je serais passé complètement à côté de l'œuvre de Lovecraft, comme beaucoup de mes contemporains. Hein, j'avais lu une nouvelle, bon, puis c'est tout. C'est le représentant justement de ce. Disons les choses. Tranchons le mot, le représentant de cette haute initiation qui m'a dit qu'il serait bon que je m'intéresse justement de très près à l'œuvre de Lovecraft. Et j'ai suivi ce conseil, et c'est en le suivant que j'en suis arrivé à écrire ce bouquin. Mais encore une fois, de ma propre initiative, je serais passé complètement à côté. Donc raison supplémentaire de ma part de ne pas jeter la pierre à ceux qui n'y ont rien vu. Hein, mm-hmm. Mais j'ai eu la chance de rencontrer ce Pierre, entre guillemets, hein, qui est assez présent dans la deuxième partie de mes œuvres complètes, si j'ose dire, et qui m'a aiguillé sur cette piste que j'ai essayé de suivre le mieux possible. Voilà. Et je dois dire que grâce à cette rencontre et à ta magnifique plume,
ça nous donne, nous, l'occasion, les lecteurs, de découvrir plus avant cette œuvre qui est véritablement mystique, métaphysique. Alors, pour comprendre un peu plus le monde lovecraftien, alors, dès le deuxième chapitre, tu guides le lecteur dans un voyage spirituel alchimique, car ton décryptage de l'œuvre de HPL, Howard Philip Lovecraft, lui permet au lecteur de réaliser à quel point la grille de lecture lovecraftienne est essentielle à la fois pour décoder les textes sacrés des monothéismes, devenus totalement hermétiques à l'homme, ainsi que toutes les traditions religieuses, et de le plonger au cœur d'une profonde quête du Graal. Notamment, nous découvrons que les grands anciens vont apparaître en surimpression de la cosmogonie hébraïque, et que les sept rois d'Édom étant en fait les grands anciens. Peut-on dès lors penser que le grand retour des rois d'Édom, donc alias les grands anciens, qui sont annoncés dans le Zohar, est plus que proche, étant donné que les signes de l'eschatologie se ressentent aujourd'hui comme de plus en plus visibles, je dirais même dans le monde manifesté. Ben écoute, Émilie, ta question effectivement nous introduit au cœur du sujet. Je vais commencer par une petite mise en perspective. Effectivement, l'œuvre de Lovecraft, bon, elle ne se comprend que si on a été un petit peu attentif aux dernières avancées de la science contemporaine, qui inverse en quelque sorte notre vue du monde. Je veux dire par là, pour le résumer de façon très très simple, hein, élémentaire, le 19e siècle matérialiste, scientiste, triomphant, etc., faisait de la conscience, selon la terminologie marxiste, une superstructure de la matière qui disparaissait avec la mort de cette même matière. Hein, donc, hein, on allait de la matière à une conscience très très éphémère. Bon. Et là, il y a un total renversement de perspective. La physique quantique nous dit que notre monde, là, ce qui se voit, ce qui se touche, c'est en quelque sorte, pour utiliser une image triviale, c'est un peu le déchet d'une réalité qui, elle, dans son essence, est invisible. Hein, le fameux plénum quantique, enfin, qu'on appelle à tort le vacuum, parce qu'il n'est pas vide du tout, il est plein, il est sursaturé d'énergie. Hein. Alors, pour être très 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 rapide, notre réalité matérielle, bah, c'est la concrétisation, c'est la cristallisation, c'est la pétrification, c'est le déchet, si je puis dire, d'une réalité qui est subtile, qui est invisible. Donc on inverse totalement la perspective matérialiste qui était en vigueur jusque-là, hein, et ça nous ouvre des horizons. Bon. Alors, ceci étant posé, l'œuvre de... Alors, justement, ce qui est intéressant dans cette perspective nouvelle, c'est qu'elle réhabilite l'univers des anciens, hein, des notions comme l'akasha, comme l'éther, c'est-à-dire ce domaine, cette interface entre le monde de l'esprit et notre ici-bas matériel, est totalement réhabilitée sous la forme du vacuum quantique ou du plénum, hein, et réhabilitée par les physiciens eux-mêmes, qui, infiniment plus intelligents et ouverts que leurs prédécesseurs scientistes et positivistes du 19e siècle, n'ont pas craint justement de se ridiculiser en allant voir du côté des anciens, qui n'ont pas pris, contrairement à beaucoup de nos contemporains, comme des simples esprits incapables de s'adapter aux principes de réalité, mais comme des gens chez qui justement il y avait des choses très 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 intéressantes à puiser. Donc c'est prodigieux, c'est comme si une boucle se bouclait, c'est comme si on renouait avec une vision très très ancienne qui, l'espace de 2-3 siècles, avait été complètement discréditée, ridiculisée, oubliée. Hein, et donc l'œuvre de Lovecraft, justement, elle participe au premier chef de cette réhabilitation, de ce réenchantement du cosmos. Et là encore, pour être très simple, très rapide, hein, parce que je ne vais pas me donner le ridicule d'essayer de résumer le bouquin en quelques phrases maladroites, parce qu'en plus, bon, je joue à contre-emploi, je suis un homme de plume, pas de verbe, et comme tous les solitaires, oui. Hein, je m'exprime par
par le bouquin et non pas par l'exposé oral. Donc oui, l'œuvre de Lovecraft, c'est vraiment, elle illustre totalement cette réhabilitation de l'univers des anciens. Et elle perd son caractère d'œuvre d'imagination avec des créatures plus ou moins bizarres, les grands anciens, les entités prédatrices d'outre-espace, etc. etc. Si on pose un signe d'égalité justement entre les grands anciens et puis des entités cosmiques qui sont réhabilitées, enfin qui sont réhabilitées ou redécouvertes comme on veut par la science contemporaine sous la forme de cerveau de Boltzmann, hein, c'est-à-dire que non seulement cette interface entre l'esprit et la matière se redécouvre sursaturée d'énergie, mais en plus d'une énergie consciente. Et ça, c'est absolument énorme. Donc, en faisant les transpositions nécessaires, on arrive à identifier les grands anciens, qu'il ne faut pas réduire. En aucun cas, il faut être réducteur et dire, bon, les grands anciens, c'est ça. Les grands anciens sont, comme diraient les gens savants, sont polysémiques, mm-hmm. c'est multiforme, mm-hmm. c'est plusieurs choses en même temps. Hein, ça, faut jamais le perdre de vue. Au risque, bon, ben voilà, ça faut un petit peu perdre cette volonté à tout prix de coller des étiquettes qui est propre malheureusement à nos contemporains. Hein, voilà, faut ouvrir la focale, faut élargir son horizon. Bon. Ça présente plus un état d'esprit, un absolument, influx, absolument, quelque chose absolument, d'absolument défini. Mais absolument. Et moyennant justement ces transpositions, ben on arrive très clairement à identifier les fameux grands anciens et les autres entités lovecraftiennes à des réalités cosmiques, cosmologiques, voire métaphysiques. On voit aussi la présence et la prégnance, tu l'exprimes très bien dans le livre, de l'ésotérisme authentique de Lovecraft, mm-hmm. qui est largement dévoilé et décrypté tout au long de ton ouvrage. C'est ça d'ailleurs qui fait tenir le lecteur en haleine. Lovecraft a également un nom initiatique que tu dévoileras au cours de l'ouvrage, et ça nous renvoie à l'éther, à l'akasha, donc ça nous renvoie à la métaphysique pure, comme tu disais. Et ça représente en fait une sorte de signature spatiale, à la fois qui est un fondement et qui est un lieu de retour de l'univers manifesté. La vocation de l'homme réaffirmée selon Lovecraft est d'échapper à cet éternel retour auquel voudraient le condamner les systèmes religieux constitués dans l'invisible en des sortes de vampires psychiques. Et parallèlement à cette mutation, l'annonciation de la prochaine remontée des puissances telluriques abyssales, associée même à des entités galactiques lointaines sur le retour, doit-on en déduire que ce qui fait le plus peur à l'homme contemporain, ce qui est souterrain et inconnu, qu'il aurait tendance en fait à le diaboliser et qui diaboliserait en quelque sorte par là même ses anges, des anges qu'il prendrait pour des démons, et que finalement, seul son discernement saurait être salvateur dans ce monde actuel. Pour résumer, je dirais que l'œuvre de Lovecraft est essentiellement gnostique, hein, dans le sens où les gnostiques voyaient notre condition humaine comme un emprisonnement, hein, dans un monde justement de matière, dans une enveloppe charnelle, et le but était de nous en libérer. Et alors, là aussi, il ne faut pas se dissimuler, hein, mais libre à chacun d'en tirer ses propres conclusions, de les refuser, de les repousser, etc. C'est un livre éminemment subversif, hein, à l'égard de toutes les organisations constituées, et à commencer par les trois monothéismes. Et là, je rejoins par un chemin de traverse qui me sera très certainement reproché par beaucoup, qui s'empresseront de réunir des bûches. Hein, pour... je rejoins cette vérité fondamentale de l'opus guénonien, qui est, encore une fois, c'est très très simple, hein, la vérité est unique et elle s'exprime différemment selon les temps et selon les lieux. Mais malheureusement, cette traduction qu'aurait dû être
les religions différentes, c'est-à-dire l'adaptation d'une même parole à des communautés humaines et à des temps différents, cette traduction, eu égard à la grande misère des temps, hein, à l'obscurcissement, à la chute, à la décadence cyclique, etc., etc., est devenue une trahison. Hein, de traduction, on est passé à la trahison. Et les religions qui, si elles avaient été fidèles à leur vocation première, auraient dû justement être des forces de libération, hein, pour nous permettre d'échapper à notre enveloppe charnelle, à tout ce qui nous emprisonne dans ce continuum spatio-temporel, hein, qui délimite notre état d'existence et qui nous emprisonne, donc, eh bien, elles se sont contentées de ripolliner les murs de notre prison plutôt que de nous en ouvrir les portes. Hein. C'est toujours l'éternel problème de la caste sacerdotale qui trahit sa vocation, hein, qui s'arroge des pouvoirs sur la masse des croyants, etc., etc., et qui perd totalement de vue ce qui aurait dû être son objectif, à savoir nous donner les clés de la porte pour nous permettre d'échapper à cet univers de matière, de... Donc, voilà, alors cette réaffirmation par Lovecraft, même si elle est au second degré, de cette réalité gnostique, elle va la faire inévitablement grincer quelques dents. Hein. Tu parlais, Émilie, de vampires cosmiques, etc. Malheureusement, les grandes entités, ce que les occultistes appelleraient les égrégores, qui alimentent les grandes religions terrestres, ils sont devenus des institutions... Qui sont de moins en moins spirituels, ces égrégores justement se nourrissent de l'adhésion sentimentale, de la prière, de toute cette énergie psychique, hein, qui sort justement du cœur, de l'âme, de tout ce que vous voulez, des croyants abusés. Et elle s'en sert à mauvais escient. Au lieu que toute cette force soit utilisée pour libérer celui qui en est l'auteur, bon, il est malheureusement vampirisé, on lui enlève cette énergie, cette force, pour l'utiliser à des fins qui n'ont rien à voir avec des fins de libération spirituelle. C'est pour ça que je parle de vampire psychique à propos des grandes religions. Mais cela étant dit, là encore, il ne faut jamais être unilatéral, définitif, etc. Maintenant, à l'heure où nous sommes, si je puis dire, La spiritualité, c'est une voie, c'est une voie pratiquement individuelle. C'est un chemin à parcourir seul, puisque les grandes religions nous ont trahis, nous ont abandonnés, etc. Et tout ça n'empêche pas qu'au sein même des monothéismes, il soit possible de frayer son chemin justement jusqu'à la libération. Mais ça, c'est l'affaire des individus, c'est l'affaire des spirituels. C'est plus l'affaire de la caste sacerdotale, c'est plus l'affaire des dogmes, etc., etc. Donc voilà, globalement, il y a des égrégores qu'on peut faire sauter. Et dans la mesure où les grands anciens, encore une fois, globalement, à la louche, pour le dire d'une façon triviale, sont des forces de purification, hein, qui ont pour objet de faire un grand nettoyage avant la fin du cycle et le passage à un autre cycle, hein, un grand nettoyage de printemps, si j'ose dire, sans aucune allusion à une actualité. Hein, donc les grands anciens, le côté un peu terrifiant, le côté des grands anciens, c'est ça, en fait, le coup de balai final. Et donc ça commence par les hiérarchies invisibles, hein, avant de se répercuter justement dans notre bas monde. Puisqu'il y a un va-et-vient constant, bien sûr, il y a une porosité totale entre l'autre côté du miroir et puis notre en deçà. Hein, ça commence, la purification commence en haut. Et puis il y a des entités, c'est pour ça que notre époque est tellement troublée, tellement sur le plan psychique, etc. Il y a des entités qui perdent leurs privilèges en haut, qui descendent en bas, se réfugier dans ce qui leur reste de pouvoir, et puis qui terminent là. C'est la fameuse thématique des démons qui sont chassés sur Terre à la toute fin du cycle pour y faire des ravages en fonction de la rage qu'ils éprouvent justement les démons. Je dis, c'est une image, hein, bien sûr, tout ça est à prendre pas au sens le plus littéral, mais voilà, donc les grands enjeux de l'œuvre de Lovecraft, c'est quand même ça. Donc c'est la fin d'un cycle. C'est pas la fin du monde, c'est la fin d'un monde. Et c'est la phase de purification qui interviendra
juste avant qu'on passe à travers ce mur de feu, hein, cette dématérialisation, puisque Guénon, à un moment, parle bien à propos de l'eschatologie de la fin de notre cycle d'humanité, parle bien d'une dématérialisation totale des apparences, ce qui se conçoit parfaitement si l'on se souvient justement de ce que nous disions à l'instant, savoir que notre réalité concrète, matérielle, hein, tangible, elle tire son existence d'une réalité qui est subtile, qui est invisible, qui est immatérielle. Donc le retour à la source, si je puis dire, s'accompagne inévitablement de la déconstruction de ce monde d'illusion, de ce monde d'apparence. Et là, on est en plein dans l'œuvre de Lovecraft. Et si les entités lovecraftiennes apparaissent « méchantes », entre guillemets, c'est justement parce qu'elles ont une dent contre ce monde d'illusions, d'apparences, dans lequel certains, y compris malheureusement les corps constitués, les pseudo-spiritualités, etc., veulent nous emprisonner pour les besoins de leur cause à eux ou à elles, qui n'ont rien à voir, je le répéterai jamais assez, avec la cause de la vraie libération spirituelle. Encore une fois, une chose est de nous donner la clé de la porte de la prison, une autre est de ripolliner les murs pour que ça soit beaucoup plus agréable et pour qu'on s'imagine qu'on vit dans un paradis. Hein. Voilà. Et c'est pour ça que Lovecraft, quand on a cette clé, encore une fois, que je ne revendique que parce qu'on me l'a donnée, hein. Donc moi j'y suis pour rien, si je puis dire, mais... Tu as le mérite de la faire passer. Bah, c'est le seul, c'est la seule fonction, Émilie, tu as raison de dire ça, c'est la seule fonction que je me reconnaisse dans la terminologie actuelle, dans le jargon, dans les mots à la mode, le seul que je reprenne à mon compte, parce qu'à la fois il est joli et qu'il rend bien compte de ce que je fais à mon très très modeste niveau, c'est le mot de passeur. Voilà. J'essaye de transmettre du moins mal que je peux les choses qu'on m'a révélées, qu'on m'a indiquées, etc., voilà, et les ramasse qui veut passer. Moi, je lance des bouteilles à la mer, on les ramasse ou pas, on en fait ce qu'on veut. Moi, j'ai fait mon, si j'ose dire, mon boulot avec ce livre. Même ton devoir spirituel, si on peut dire. Oui, on peut le dire comme ça, mais encore une fois, en évitant soigneusement de se prendre au sérieux, comme disait Saint Paul, bon, à qui j'emprunte pour une fois cette formule, nous sommes des ouvriers inutiles. Hein, voilà. Et selon toi, y a-t-il un lien quelconque, proche ou lointain, avec ce que j'appellerais l'opération Bucarache 2012 et les grands anciens ? Alors Marc, vraiment très 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 lointain. À titre de dégâts collatéraux, si je puis dire, illustrant le déséquilibre psychique de notre époque, et illustrant justement, puisque on est dans une phase de fin de cycle, hein, donc d'utilisation, de récupération frauduleuse, tous azimuts, de certaines réalités eschatologiques, hein, alors pour des profits, pour des bénéfices X, Y, il n'est pas nécessaire d'entrer dans les détails, mais ça aussi, il faut le savoir, on est dans une époque où vraiment le mensonge triomphe. Hein, et sa façon de triompher la plus redoutable, c'est de prendre le masque, justement, de réalité spirituelle. Voilà. C'est-à-dire que les pseudo-sauveurs veuillent se faire passer pour nos libérateurs alors qu'ils sont instrumentalisés par les forces d'oppression qui veulent bâtir un nouvel ordre mondial qui sera le contraire exact, enfin qui serait s'il advenait le contraire exact de l'impérium eschatologique annoncé par Dante, pour ne parler que de l'Occident. Hein. Donc voilà, on est dans une époque où il est par-dessus tout important d'avoir une grille de lecture sérieuse, et cette grille de lecture, nous est fournie par Guénon. Pour discriminer le vrai du faux, l'original de la contrefaçon, ce qui est de plus en plus difficile, c'est vraiment l'œuvre de Guénon. Et encore une fois, mon décodage, entre guillemets, de l'œuvre de Lovecraft prend appui sur l'œuvre de Guénon. Alors encore une fois, ça va faire hurler, comment peut-on, hein, ça va être... Je vais être accusé quasiment de blasphème par les gardiens du temple guénonien, hein, dont je résume un petit peu, j'allais dire méchamment, bon, alors rien n'est vraiment méchant, mais c'est le fameux adage chinois, hein, quand le sage montre la lune, l'imbécile regarde le doigt, hein, et il y en a beaucoup qui pourraient faire leur profit justement de cette sagesse, parce que bon, ils s'enferment, le guénonisme, je veux dire, c'est pas du psittacisme, c'est pas répéter comme ça, comme des perroquets. C'est justement, c'est comprendre ce qu'a voulu nous dire Guénon, parce que l'œuvre de Guénon, elle se lit beaucoup en creux,
Et en ne négligeant pas des notes infrapaginales, hein, qui, si on prend l'œuvre à la lettre, hein, dans un respect, encore une fois, mortifère de cette lettre, bon, il y a des notes qui sont capables de faire voler l'œuvre en éclats, je veux dire, si on est Alors, sans rien dévoiler de ton œuvre, je dirais même que les lecteurs vont être surpris de voir les liaisons qu'il peut y avoir, les liens qu'il peut y avoir entre Lovecraft et Guénon. Mais ça, je laisse au lecteur le soin de le découvrir par lui-même. Ah, déjà, excuse-moi, c'est une pirouette, hein, c'est pour s'amuser un peu. Le lecteur, il peut regarder, comparer les deux photos, les deux portraits de Lovecraft et de Guénon. Mmh. Voilà, on n'en dit pas plus. Voilà, on n'en dit pas plus. Et pour rebondir sur cet aspect individuel de libération et d'œuvre alchimique interne, je voulais aborder cette question de manière générale dans le livre sur le fait que pour Lovecraft, le salut résidait dans le rêve dirigé. Le but est évidemment d'atteindre par l'intermédiaire du double un état perceptif profond, et les rêves de Lovecraft étaient une allégorie de ce processus, et il avait franchi en fait de longue date l'autre côté du miroir, si on peut dire. Il avait en fait, c'est pour ça qu'il n'avait pas d'imagination, il avait perçu véritablement l'autre côté du miroir. Comme on peut dire, comme les sorciers qui, en manipulant leur conscience, pouvaient passer réellement dans d'autres mondes. Oui, une autre œuvre qu'il est très intéressant de lire à titre d'introduction justement à Lovecraft, c'est l'œuvre de Castaneda, de Carlos Castaneda aussi. Voilà. Et quand on a Guénon, Castaneda et Lovecraft, on a des clés fondamentales pour décrypter voilà, notre époque. Et justement, pour répondre à ta question très pertinente, Émilie, qui nous remet une fois de plus au cœur de l'œuvre de Lovecraft, il nous désigne dans son œuvre l'objectif final de l'humanité dans son aspect collectif, qui est de renouer justement avec cet univers des anciens que les scientifiques de pointe ont commencé à réhabiliter, mais de renouer d'une autre façon. Je veux dire par là que les anciens avaient des autres dimensions, du monde invisible, hein, encore une fois pour être très très simple, avaient du monde invisible une perception beaucoup plus directe que nous, hein, qui au fil des temps, voilà, nous sommes solidifiés, enfermés dans notre carapace, sommes devenus de plus en plus opaques à des réalités dépassant tout ce qui se voit et ce qui se touche. Hein. Oui. Nos ancêtres, ce qu'on appelle très improprement les primitifs, hein, enfin qu'on appelait parce que maintenant on n'ose plus les qualifier ainsi, peuvent illustrer un petit peu ce que je veux dire. Hein. C'est-à-dire que les civilisations premières, hein, c'est plus politiquement correct de les appeler comme ça maintenant, ont une perception spontanée, je veux dire, des autres dimensions, mais moins de conscience d'eux-mêmes. Je parle des individus. Hein. Conscience de personnalité. Voilà. Alors que l'occidental moderne, il a en quelque sorte hypertrophié son ego, sa conscience de soi, mais au détriment justement de cette perception spontanée des dimensions invisibles qui sont les plus importantes. Mm-hmm. Et alors, pour que là encore la boucle se referme avec un claquement sec, si j'ose dire, il faut que nous tous, c'est le but qui nous est proposé avant le passage de l'autre côté du miroir ou du mur de feu, qu'on renoue justement avec cette perception spontanée, immédiate des réalités invisibles, avec cette transparence, en quelque sorte, mais en gardant les yeux grands ouverts. Je veux dire, par là, c'est une image, en gardant les yeux du mental grands ouverts, hein, en conservant notre conscience de nous-mêmes, c'est-à-dire en ayant bénéficié de ce qui était à l'origine un défaut, une faiblesse, c'est-à-dire l'hypertrophie de l'ego, la conscience de soi démesurée de l'occidental, pinailleur. Hein, il faut garder ça,
justement pour mieux, là encore je m'exprime très très mal, mais pour mieux profiter, si je puis dire, pour mieux profiter de cette perception spontanée qu'il s'agit de retrouver à l'égard des dimensions invisibles, de façon à les mieux comprendre, à les comprendre avec notre totalité. C'est une espèce de mutation anthropologique qui fait se rejoindre à la fois la vocation première de l'homme, qui est de transcender son enveloppe charnelle et ses limitations, et en même temps ce qu'il a acquis au fil de son évolution-involution, hein, évolution sur certains plans, involution sur d'autres, qui est justement ce mental hypertrophié, ouais. Qu'il ne s'agit pas de nier, etc., comme certains courants néo-spiritualistes le prétendent, mais qu'il s'agit de faire œuvrer justement à ce passage ultime entre deux cycles. Encore une fois, nos ancêtres, nos lointains ancêtres, avaient du cosmos une perception directe, mais en mode que je qualifierais d'hypnagogique en quelque sorte. On était dans le domaine du rêve. Tu parlais très justement d'une sorte de rêve éveillé, donc ils percevaient les choses, mais ils n'étaient pas conscients, il n'y avait pas le retour sur eux-mêmes qui leur permettait de dire « je suis conscient de ce que je perçois ». Tu vois ? Et le but, encore une fois, de notre évolution-involution, c'est de retrouver ces dimensions invisibles en étant conscient de ce qu'elles sont et de ce que nous sommes vis-à-vis d'elles. Peut-on dire que jusqu'à... faire un raccourci, que notre défaut principal de notre évolution, là où on en est aujourd'hui, qui serait cet égoïsme, cet égo hypertrophié, cet individualisme forcené, jouera finalement, à la fin du fin, un rôle salvateur, parce que ça coïncide avec une fin de cycle, et ça nous permettra de faire la bascule dans le cycle. Absolument, absolument. Mais c'est véritablement un processus chimique. Là, ouais. On en est à l'œuvre au noir. Mais il faut simplement transmuter pour arriver à trouver la pierre philosophale. Et à force de d'hypertrophier l'ego, on finit par le faire exploser. Oui, c'est le message que fait passer Lovecraft. De même que en fatiguant le mental, si je puis dire, on peut passer spontanément à autre chose, à une autre dimension. Donc il ne s'agit pas de nier des réalités. Par épuisement, absolument. Absolument, tu as trouvé le mot tout à fait pertinent qui peut s'appliquer à beaucoup de choses de notre fin de cycle. Il y a des possibilités négatives qu'il faut épuiser avant de passer à la suite. Et c'est ça qui est très difficile parfois de faire comprendre à nos contemporains qui accepteraient volontiers la présence d'ange gardien, entre guillemets, de ces grands initiés qui sont dans les coulisses de l'histoire et grâce à qui nous sommes encore là, quoi, hein, voilà, qui maîtrisent les grands rouages de notre histoire. Et qui, par exemple, quand on échange, me disent, mais écoute, si vraiment ça se passait comme ça, pourquoi l'état du monde est-il aussi calamiteux, aussi ? À quoi je réponds, mais il ne s'agit pas d'inverser le sens de l'histoire. Hein, il faut que, encore une fois, que, selon la parole du Christ, il faut que le scandale arrive. Hein, c'est-à-dire qu'il faut que les possibilités les plus obscures, les plus inférieures de notre cycle d'humanité viennent à l'existence, mais simplement il s'agit de les canaliser, de réguler, de nous offrir des périodes de répit, de faire ce que j'appelle encore une façon triviale et un peu humoristique du ramassage scolaire, c'est-à-dire de réunir les gens qui sont encore capables de comprendre tout ça, hein, et de leur montrer l'issue de secours, hein, ces initiés entre guillemets... Et je dirais que c'est que ce livre est vraiment le symbole de cette aide apportée à nos contemporains, à nous tous, grâce par l'intermédiaire de la grille de lecture lovecraftienne et au grand initié qui est René Guénon, pour nous permettre de passer ce cap tout en conscience et surtout en se préservant des craintes inutiles, des culpabilités inutiles, mais en étant curieux de cette évolution-involution dans laquelle nous sommes. Et un grand thème qui revient également tout au long de ton livre, c'est ce fameux renversement des pôles qui est assez imminent maintenant, on peut le dire, dans le temps actuel. Tout à fait. Et tu avais très très raison une fois de plus d'insister sur la nécessité justement d'échapper. Il n'y a rien de plus emprisonnant que la peur justement. Justement sur la voie de la libération spirituelle. Et c'est sur cette peur que joue malheureusement
beaucoup de ceux qui voudraient nous enfermer dans le monde tel qu'il va, ou plutôt tel qu'il ne va pas, hein, et les artisans de ce nouvel ordre mondial, qui seraient, encore une fois, s'il advenait, mais il est possible qu'il n'advienne pas, tellement les choses vont vite, hein, et que la roche tarpéienne est encore plus proche du Capitole qu'on ne pouvait le penser. Mais leur objectif, justement, c'était par la peur, parce qu'il n'y a pas meilleur moyen en plus de contrôle social que la peur, que d'instiller cette peur dans la population, hein, par tous les moyens. On voit bien, il n'y a pas besoin de prendre des exemples, l'actualité, je veux dire, en regorge, elle en est saturée. Hein, bon. Et tiens, les gens comme ça, non, non. Quelqu'un d'autre l'a dit bien avant moi, n'ayez pas peur, de dire voilà. Et il faut simplement, il faut savoir à quelle époque nous vivons, hein, ce qu'elle représente, et puis les possibilités justement de libération qu'elle nous offre. C'est là encore, c'est le symbole du fameux yin-yang hein, taoïste là. Et plus la tache noire du yin est prégnante, envahissante, et plus le petit point blanc du yang est puissant, et finalement il fera éclater le... Donc c'est une époque qui offre des possibilités qui n'existaient pas antérieurement. Il y a une espèce d'économie providentielle, d'équilibre, hein, c'est résumé par beaucoup de formules très classiques, très connues. Bon, j'en prends une comme ça au vol, au hasard, c'est lorsque tout semblera perdu que tout sera sauvé. Hein. Tout ça nous incitant à penser que justement l'extrême solidification précédera immédiatement l'atomisation finale, l'extrême enfermement, emprisonnement dans un ordre unique précédera immédiatement la libération finale, etc. Selon des modalités bien sûr qui dépasseront totalement la petite sphère dérisoire, de plus en plus dérisoire du monde politique, du monde tout ce que vous voulez. Là, ce sont d'autres puissances qui agissent. Hein, et c'est je veux dire, l'heure de Lovecraft et des grands anciens est venue, si je puis dire. Hein, voilà. Et donc là, on passe à totalement autre chose. On, là encore, c'est une image. Bon, là, on est encore dans la politique, dans la métapolitique, mais on sent qu'un pas de plus et on passe dans l'eschatologie, dans une autre dimension. Voilà. Et c'est là qu'on est. C'est là qu'on est. Voilà. Absolument. 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 Donc on dit au revoir à tout ce côté dérisoire là, hein, bon, d'un monde qui s'achève d'une façon assez lamentable. Il s'achève même pas avec une forme de grandeur tragique, romantique, c'est ce que je dis souvent. Le bas-empire, au moins, le vrai bas-empire, bon, ça avait de la gueule, il y avait des personnages, il y avait une dramaturgie. Hein, c'est un bas-empire pour petits bourgeois, je veux dire, c'est absolument pathétique, c'est lamentable, c'est la faiblesse humaine dans tout son côté dérisoire, messien, tout ce que vous voulez. Donc voilà, les grands anciens arrivent, balayent tout ça et on passe à l'autre cycle. Voilà. Descendre de la Jérusalem céleste, parce que là aussi c'est important. Oui. C'est, voilà, on finit quand même en apothéose notre cycle d'humanité là. Hein. Justement, dans la thématique de la boucle qui se referme, bah justement, les humanités extraterrestres hein, qui font le fond de l'œuvre de Lovecraft, quand même, hein, parce que les grands anciens, ils viennent de Bethelgeuse, ils sont passés par Pluton, hein, qui l'appelle Yougoth, etc., etc. Donc, on est en plein dans une... Bon, bah, il faut savoir que dans la tradition secrète révélée ici pour la première fois à laquelle appartenait Lovecraft, à la fin du cycle, justement, et c'est très intéressant parce qu'on là on rejoint le thème biblique et pas que biblique de la descente de la Jérusalem céleste ou de la cité solaire des Rose-Croix. Hein, bah, les humanités extraterrestres, nos sœurs d'outre-espace, pour ce que j'appelle là encore d'une façon un peu triviale qu'on pardonnera, la grande fête de clôture, elles descendent sur notre terre, justement, à la toute fin du cycle. C'est quand même énorme, extraordinaire, absolument. Donc ça s'achève comme ça, avec la rencontre ultime de tous les mondes, de notre humanité terrestre, sauvée in extremis, qu'il en restera justement par nos sœurs de l'espace, et miracle, dernier miracle, miracle ultime, alors que encore maintenant, contrairement à ce que imaginent justement des gens qui manquent d'imagination, il n'y aurait pas de contact possible
avec la majeure partie de ces humanités, parce qu'elles ne fonctionnent pas sur le même mode vibratoire, c'est aussi simple que ça. Leur sens ne correspondrait pas au nôtre, hein, parce que l'humanité est beaucoup plus vaste et complexe que ce que laisserait supposer notre enveloppe charnelle. Toute l'humanité n'est pas faite sur le même modèle. C'est-à-dire, il y a une infinité de sens que nous n'exploitons pas, dont nous ne disposons pas, dont disposent d'autres humanités, si bien que s'il y avait un extraterrestre à côté de nous, il serait fort possible que nous ne le voyions pas. Hein, parce que nos sens ne coïncideraient pas. Ouais. On ne le percevrait pas, nos sens ne coïncideraient pas. Or, le miracle ultime, justement, pour que cette rencontre soit possible et ait un sens, c'est qu'il y aura une transmutation qui permettra à l'humanité, et là aussi, Guénon l'a prévu, une transmutation ultime, un retour de l'humanité à ses prérogatives originelles, c'est-à-dire à la maîtrise du temps et de l'espace, hein, qui sont le propre justement de l'humanité réintroduite au centre de son état, hein, au terme de ce que les anciens, de ce que les Grecs et les Romains appelaient les petits mystères. Hein, et quand tu es au centre de ton état, puisque les deux dimensions qui le définissent et qui nous emprisonnent sont le temps et l'espace, là, tu as la maîtrise du temps et de l'espace. Ce qui, pour le dire en passant et rapidement, permet de comprendre, si on veut bien faire l'effort, certaines particularités de la biographie de Lovecraft qui en ont déconcerté certains. Mm-hmm. Hein. Ça s'appelle tout simplement l'ubiquité. Mm-hmm. Ça s'appelle l'ubiquité. Mm-hmm. Et voilà, et on a même pas attendu la biographie de Lovecraft. Toutes les vies de saints, je veux dire, en regorge de ces phénomènes-là. Hein. Et pas que les vies de saints, d'ailleurs, d'autres. Donc voilà, alors quand on a réintégré ces prérogatives... ces prérogatives adamiques, si je puis dire, hein, on a ça, cette possibilité à notre disposition, et alors, supplément, si je puis dire, on est à même de percevoir justement la présence des humanités sœurs descendues tout spécialement pour fêter avec nous le passage à un autre cycle. Voilà. Donc, vous, je ne sais pas, mais moi, l'œuvre de Lovecraft me laisse l'impression de quelque chose à la fois de très cohérent et d'absolument grandiose. Quand même, ça ouvre des perspectives grandioses et ça colle étroitement à la véritable eschatologie professée par toutes les traditions d'Orient et d'Occident. Hein. C'est ce que j'ai essayé du moins mal que j'ai pu. De retracer dans mon bouquin ce parallélisme étroit, justement, entre l'œuvre de Lovecraft et ça. Et toutes les traditions. Absolument. Et la prophétie. Absolument, absolument. Donc, plus des bonus, mais que les lecteurs liront dans le livre, de faits tout à fait extraordinaires concernant sa vie qui sont révélés par ta source. Et plus évidemment, tout cet aspect extrêmement grave. Métaphysique et en même temps très excitant de ce qui nous attend au point de vue réellement global et qui nous touche de près métaphysiquement. Mais aussi, je dois dire qu'il y a tout un aspect ludique dans ton livre, puisque tu utilises toujours ta verve avec beaucoup d'humour pour amener chaque sujet, et on découvre tout au long de l'œuvre énormément de personnages historiques où qui était connu ou qu'on reconnaît ou enfin qu'on réapprend à connaître sous un angle nouveau dans cette œuvre, et je dois dire que c'est tout à fait passionnant. Ben merci Émilie de ta lecture. Mais il y aurait tant de choses à dire. Moi je pense qu'il faut surtout conseiller sa lecture pour se plonger à travers toutes ces grilles de lecture justement, et ça a un effet tout à fait sa lecture produit un effet tout à fait alchimique, selon mon interprétation. C'est la plus belle récompense que tu puisses décerner au plumitif que je suis et à son petit artisanat. Oui, voilà. Et j'avais oublié de préciser aussi que personne ne restera en reste, qu'il y a un aspect qui concerne directement l'aude, le microcosme d'oie. On revient sur l'affaire de Rennes-le-Château, sur tout l'aspect du mystère de Rennes-le-Château, qui est évidemment lié à tous ces grands mystères. Et on revient également, pour ceux qui auraient manqué les épisodes précédents, si je puis m'exprimer ainsi, on revient sur les grandes lignes
vraiment de tes grands rebondissements, de tous ces événements avec Pierre que tu as suivi de près pendant toutes ces années, et de toutes ces implications dans le monde là. Pour profiter d'ailleurs pour remercier Pierre. Merci Pierre, sinon c'est pas là. Merci Pierre, sans toi, on n'aurait pas toutes ces informations à portée de lecture. Et voilà, c'est vrai. Et oui, donc, il y a tout cet aspect, je disais, de Rennes-le-Château, et tout cet aspect qui concerne Opération Horde, qui concerne le général de Gaulle et l'Ordre Noir, qui concerne les extraterrestres, les autres humanités, et voilà. Et une fin, pour finir, en beauté, on peut le dire, mais là, je réserve la surprise. Oui, parce que la dernière pièce du puzzle que tu viens de poser, Émilie, effectivement, ne se comprend que si on admet que effectivement la France, pour des raisons qui n'ont rien à voir avec un quelconque nationalisme, etc., mais pour des raisons qui relèvent de la géographie sacrée, enfin de beaucoup de choses, elle a un rôle spécifique à jouer dans cette dramaturgie eschatologique, d'où l'importance justement des mystères, hein, des mystères de la France, de Rennes-le-Château, qui en est l'épicentre, la tanore, etc. Et d'où énorme surprise, l'intérêt, plus que l'intérêt, disons l'intérêt actif que Lovecraft portait à notre hexagone. Voilà. Et là aussi, il y aura dans cette perspective eschatologique des choses très concrètes qui arriveront dans les environs de Rennes-le-Château qui sont exposées dans le livre. Et puis, il y a aussi tout un aspect extrêmement important sur l'axis mundis qui concerne la géographie sacrée de la France, absolument, avec un autre lieu magnifique à découvrir, avec une histoire incroyable, mm-hmm, qui est dévoilée dans un des chapitres de ton livre, qui s'appelle le Château de Vaudra. Mm-hmm. Voilà, je laisse le lecteur découvrir de quoi il s'agit. Merci Jean. Merci à pour vous. Pour ce livre. Ben, merci pour votre lecture aussi éclairée. Et voilà, et je souhaite que tous mes lecteurs lisent le livre avec autant. Oui, je recommande d'autant plus la lecture de ton livre parce que, bon, évidemment, moi je l'ai déjà lu deux fois, donc j'ai vraiment apprécié l'œuvre. Sinon, on ne serait pas en train de faire cet entretien, etc. On n'aurait pas les liens qu'on a. Et je rappelle également que tu seras de passage dans l'Aude pour une conférence inédite chez Histoire et Mystère de l'Aude dans notre fief au domaine de la Sals, et que donc toutes les personnes en prévision de cet événement qui auront lu le livre pourront peut-être mieux à même de comprendre de quoi il sera l'objet dans cette conférence. Ce sera un bel été. Merci Jean. Ben, c'est moi qui vous remercie. Merci.